Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Toujours sur les mates affligées par la dame, aidées par d'autres pièces. Ici, une partie de Lohmann contre Müller. C'est joué à Londres en 1897 avec très haut blanc. Et alors, la manœuvre blanche va conduire à un mat très intéressant. Les bruits de premier coup ne sont destinés qu'à amener le cavalier en E2 avec gain de temps. C'est le seul but. Pour pouvoir mater ensuite au centre. Dame H6, échec. Roi E5. Dame E6, échec. Roi D4. Dame D5, échec. Roi E3. Dame D3, échec. Roi F2. Dame F1, échec. Roi G3 sur Roi E3, Dame G1, échec, et après Dame prend F3, c'est fou, E2, échec et mat. Donc, Roi G3, Cavalier E2, échec, ça y est, Roi H4, Dame H1, échec, Roi G5, Dame H5, échec, Roi F6, Dame H6, échec, Roi E5, et enfin, Dame E6, échec et mat, la dernière case de fuite étant cette fois couverte par le cavalier. Une manœuvre extraordinaire. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.